Hello les amis pêcheurs! Bien, content de vous retrouver. J'ai 3 heures devant moi pour une pêche de carpe en bordure, à la canne, à coup, à l'élastique. Je vais pêcher l'arbre qui est juste là à côté. Ça va être l'obstacle où les poissons normalement se tiennent. Mais bon, on est sur des chaleurs de fou. Vous le savez, on vit en ce moment des choses pas faciles, que ce soit pour les poissons ou pour nous. En tout cas, je vais quand même essayer de faire une carpe sur le coup du soir. J'ai 3 heures devant moi. Et puis, j'espère vous partager un beau poisson et un beau combat. Allez, on y va, c'est parti. Au niveau de la canne, aujourd'hui, j'utilise la Colmic Sponda HH. Qui fait 7 mètres. J'adore cette canne pour pêcher proche des obstacles ou en pleine eau. Elle est montée en élastique de 4 pleins. Dessus déjà je peux affronter de très beaux poissons. Là j'ai mis une ligne en 30 centièmes avec un hameçon de 4 et un flotteur de 0,40. Voilà, au niveau de l'amorçage, j'ai mis deux poignées de bouillettes coupées. Ça, c'est les Choco Crème de TZ Baits. Et j'ai mis une poignée de Baby Corn avec des pellets TZ Baits aussi, associés à la pâte. La choco crème en fait. Voilà la pâte. Voyez. On va voir ce que ça va donner. J'ai vraiment amorcé très très peu vu les chaleurs. Je veux pas gaver les poissons. Un beau poisson les gars.
Là, je crois que j'ai un thon, les gars. Un très beau poisson. Super combat. Ah, il y a un joli poisson là, les gars. Vraiment. Ouais. Il y a une jolie mémère là. Allez bien ma cocotte. Yes, elle est dedans les gars. Wouh. Ouais. Oh oui, un joli poisson. Oh ouais. Regardez-moi ça. Il y a de la largeur et tout là. Oh, ça fait plus de 15, c'est sûr. Yes. Allez, on va dépiquer le poisson et je vous montre ça. Voilà les gars, le fish est dépiqué. Un beau poisson, franchement. La caudale est nickel. Ses nageoires sont très propres. La dorsale est nickel aussi. Génial. Écoutez, je vais vous la montrer. C'est vraiment un très beau poisson. Elle a quand même été piquée une fois, a priori. Elle a une trace dans la bouche. Je vais vous la faire voir. Un poisson qui fait 15 kilos quoi. Regardez-moi ça. Une superbe miroir. Wow. Superbe. Génial. Vous avez vu les caillages sur la... l'arrière, juste magnifique, superbe, vraiment un très très beau poisson. Je vais vous faire voir l'autre côté. Génial. Regardez-moi ce petit caillage qu'elle a vers la dorsale, sur la caudale, pardon. Juste magique. Franchement, vraiment magique. Une belle, belle robe, j'adore. Un combat tout en force, pas très rapide, mais tout en force. Ça a été pris sur la choco crème à base végétale de TZ Baits, comme d'habitude. Ah, pour des eaux chaudes, des pâtes efficaces pour les eaux chaudes, la choco crème, vraiment, vraiment. Ah, elle est superbe. Allez, un fish déjà large. Regardez la largeur. Génial, quoi. Allez, elle est piquée, là. Elle a été piquée sur le coin de la gueule. Par quelqu'un, un autre pêcheur probablement. Mais sinon, c'est un poisson qui est vraiment superbe. Génial. Super.
super. Allez, go. Oh, quel écaillage. Génial. Vraiment. Regardez les couleurs avec le soleil qui leur tape dessus. C'est magique, franchement. Merci de ta visite. Voilà les gars, un moment magique. Ça doit faire, j'ai pas regardé l'heure, mais à peine une demi-heure que je suis là. Le poisson a répondu tout de suite, elle devait être dans l'arbre. Voilà, génial. Allez, on continue. Si j'ai un autre poisson à vous présenter. Ouais, pour l'amorçage, on va mettre une petite poignée de bouillette, tour du flotteur, voilà, et une poignée de baby corn avec du pellet choco crème. Nickel. Allez, c'est bon, ça pêche. C'est reparti. Hello les gars. Bon bah voilà. Fin de vidéo, fin de session, j'ai fini mes 3 heures de pêche, j'aurais fait donc qu'un seul poisson, mais bon, vraiment un très très beau poisson, un combat tout en lourdeur, avec de la force, un vrai combat comme on les aime, super sympa. Bon, avec ces chaleurs, je vais pas me plaindre, parce que déjà de faire une touche, c'est déjà bien. Et la choco crème aura fait le boulot dans les eaux chaudes. Vraiment faite pour ça, cette pâte. Voilà, je vous dis donc merci pour le visionnage, merci pour tout. N'oubliez pas, abonnez-vous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Allez, tchuss les amis, tchuss.